Nous voici à Patan, l'ancienne capitale du Népal, au IIIe siècle. Voilà, c'est pour ça que cette fête, si vous voulez, invite la mousson. Ensuite, on va faire le tour, vous savez, les sérieux dans tous les quartiers de Patan. C'est possible là. Et voilà ça. C'est inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, ici, comme vous voyez, les tuiles, hein, c'est récent là, si vous voyez là, c'est très très récent là, ici. Dans l'enceinte du palais royal, un régiment de Gourkha. Bon, si vous voulez filmer, allez-y, faites, sinon on va quitter la place parce qu'il y aura... Redoutables guerriers, ils ont fait leur marque en Inde à titre de mercenaires dans les armées britanniques et indiennes. Vous savez, quand ça arrive dans l'armée indienne, ils sont très résistants. Oui, mais ils sont également, vous savez, en Brunei, en Angleterre, en Inde. Pendant les guerres avec les Britanniques, ils servaient dans l'armée britannique, ils étaient réputés pour être... Sur Durbar Square, l'ancien palais royal, les temples en pierre, en bois, le monument du roi Yogendramala et des sculptures grotesques et érotiques. De Katmandou, de Patan ou de Bhaktapur ou des villages, elle continue, si vous voulez, la tradition, mais quand même, elle ne reste pas dans les temples, dans le palais, comme celle de Katmandou. Bon, ils y vont, si vous voulez, dans les temples, si vous voulez, peut-être deux fois ou trois fois par an. Ça dépend des fêtes. Sinon, quand même, la tradition existe, même à Patan et Katmandou, même dans les villages. Ici, je vous rappelle, vous savez, chez nous,
on a... Et également, le deuxième sens, là, c'est très puissant, ça, c'est très puissant, c'est dans la lecture. Ça vient tout de suite. Il faut bien distinguer le bouddhisme tibétain, et souvent on dit l'amanisme, là, si vous voulez. Le bouddhisme népalais. Bon, ici, si vous voulez, le bouddhisme. Les bouddhistes n'avaient que le bouddhisme. Le temple d'or fournit de statuettes, divinités, animaux, monstres, calligraphies d'une très grande beauté. Il abrite un monastère bouddhiste. C'est pour nous aussi. Vous parlez français? Vous parlez français? Non? C'est l'un des plus durs. C'est le même que l'autre. C'est le même là. C'est le bœuf. C'est le véhicule. Là. Regarde, il a la bosse. Il a la bosse caractéristique des vaches indiennes, des vaches sacrées et du bœuf. Non, c'est un temple, si vous voulez, d'une vieille. C'est du bœuf. Vie en trois ans de Parvati. C'est le lionnet. Parvati est la femme de Shiva. On la connaît pas. Non, ça c'est un. Oui, d'accord.